Comme chaque mardi, le professeur Garrel est au bloc. Bienvenue dans l'hôpital public. Un bloc opératoire high-tech, des infirmières, un anesthésiste, des internes. En tout, 10 personnes s'activent autour de ce patient atteint d'un cancer du larynx. Pour les aider, un assistant à 2 millions d'euros. Je recule un peu la caméra. Ouais, c'est bon. Un peu en retrait de son équipe, le professeur Garrel télécommande un robot ultra performant, une machine unique en France. Là, c'est le haut du larynx qu'on est en train de découper très progressivement. Au niveau de l'oxygène, c'est OK. Dans ce CHU, un hôpital public universitaire, le professeur Garrel doit aussi former les futurs médecins. Derrière lui, sur d'autres manettes, un interne perfectionne sa technique. Un peu comme un auto-école, je suis l'examinateur et je peux aussi compléter son geste avec l'autre instrument que je pilote moi-même.